Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. And nous allons à Genève. Voilà. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête, voilà. C'était pas du tout prévu. Voilà, vous pouvez regarder la vidéo de notre routine après l'école. Et en fait, la petite là, elle a pleuré. Et du coup, on s'est dit, allez, go alors. Qui fait ça? J'ai fait une place. Qui fait ça? Ah, par contre, j'ai vraiment mal quand je devais te voir. Ah ouais, c'est normal. Hein. Donc, c'est parti. On est dans le TGV. On a 3 heures de route. Enfin, de train. Je sais pas comment on dit. Dès qu'on arrive, on a commencé à manger. Hein. On a foutu le bordel. Voilà, parce que dès qu'on arrive, on fout le bordel. Hein. Regardez là. Hein. Ça déborde. Alors, nous, nos places sont... Elles sont ici, et ben on s'est étalé aussi de l'autre côté. Voilà. Ouais. On ne respecte rien, évidemment. Évidemment, le masque est obligatoire. Moi, je suis là, je parle. Non, je me crois. Hey, ce train, il est à mon père en fait. Donc, excusez-moi. C'est le train de notre père. Donc voilà, nous allons tout filmer de A à Z. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça nous fait trop plaisir. Par contre, faut arrêter de d'en faire trop. Par contre, qui a enlevé ses chaussures? Ça pue. Moi. Vous êtes sérieux? Vous avez enlevé vos chaussures? Ouais. Donc là, en fait, là, les amis, on parle d'une confortabilité. On tombait ma rose. Vraiment, genre, wow. Regardez comment je vais rentrer pour pouvoir faire mes cheveux. Là, on vient d'arriver dans l'appart, c'est un petit appart tout mignon. On va vous le faire visiter. On vient d'arriver, donc on sait nous-mêmes, on sait pas ce que c'est. Oh my gosh. Enfin, j'en peux plus ma vie. J'enlève ce manteau de merde là. Bon, là, on est mal garé. Donc il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille chercher la voiture pour la mettre un peu plus loin. Donc on va aller chercher la voiture, la mettre un peu plus loin parce qu'on est mal garé, et après bah sinon on va aller se promener, manger, et voilà, se reposer ce soir. Et ouais, ce soir on se repose.
c'est très bon, on adore. On est fatigué de ouf. Mais c'est super bon. Donc c'est bien. On est au Molino restaurant à Genève. Vraiment super bon. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur Attango. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Monsieur Attango. Y'en a 3 dehors de Floris Lava. Allez, 3. Vous avez perdu, hein, mais... Salut la team, là on est devant l'appartement. On va aller à un truc. Alors, moi je connais l'activité, clairement j'ai peur, mais je ne l'ai dit à personne. Il n'y a que moi et Negui, on sait. On l'a dit à personne. Voilà. Sachez que vous allez avoir très peur, la famille. On vous aime, mais c'est comme ça. Donc voilà. Moi, clairement, je me suis habillée comme une. Je sais pas comment. C'est le manteau de Negui, je le déteste, mais je le mets quand même. Voilà. Pour l'instant, il fait bon. Hey guys! Écoutez, j'ai mis ce pull, je l'ai remis hier. Putain, il est sale en plus. Ouais, en plus, il est sale. Mais c'est le plus chaud que j'ai. Donc là, on va dans un endroit froid, il faut mettre du chaud. On s'en fout qu'il soit sale, ok? C'est parti. J'ai ni gants, ni chaussettes, rien du tout. J'ai tout oublié. Oui, j'ai des chaussettes, mais j'ai pas des chaussettes. Bah oui, parce qu'elle les a oubliées. Elle m'avait dit. J'ai pas des chaussettes d'hiver en fait. Elle m'avait dit qu'elle avait pris les miennes. Et elle les a oubliées. J'ai dit à Eva, non mais t'inquiète pas, Eva, je gère, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas ça qu'on part, hein, nous deux. Hein. Au début, on avait tout mis dans une petite valise avec Eva. Sauf qu'on a dû tout changer et tout mettre dans la grosse valise. Et en fait, parce qu'il y avait pas assez de place dans la petite. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tout remis. Sauf que j'ai oublié les culottes. Et non, les chaussettes, les gants, les machins, j'ai tout oublié. Tu sais, faut que j'achète quoi? Les trucs pour les oreilles là. J'ai hyper froid aux oreilles. Ah ben voilà, fallait mettre un bonnet. Mais je mets un bonnet sur mon truc. Moi j'ai pas froid là, je suis comme ça là, bonnet, parce que t'as toujours froid. Moi aussi j'ai pas froid, tous les jours à l'école, il y a plein de récré et du coup, moi j'ai pas froid. En jouant, il a seulement 7 ou moins. Maximum en 8 à l'école. Donc ça va, moi j'ai l'habitude. La vie, il y a trop d'air qui passe. Là, on va monter dans un téléphérique et on va monter super haut. Voilà. Elle a peur, Diana. Donc là, ça y est, on est dans la télégabine. Diana, là, pourquoi tu. Diana, c'est grave bien, moi je kiffe. Je kiffe ma vie, voilà. Il y en a qui ont peur ici, on va pas dire qui. Thank you.
Donc là, ça y est, on vient de descendre du téléphérique. Ouais, c'est ça. Du télécabine. Thermomix, il y avait. Diana, elle sentait pas du tout bien à un moment donné. C'était normal, c'est parce qu'en fait, on est monté à plus de 3800 mètres de hauteur là. Et en d'altitude. Fait. 4000. Ouais, d'altitude. Et en fait, quand on est descendu, elle se sentait pas du tout bien. Donc on est resté un petit peu, on a joué et tout, qu'elle sent mieux. Et là c'est Eva qui sent pas très bien parce qu'on a... Mais oui, mais Skidja ils m'ont mis de la neige dans la gueule déjà. Moi ça je pardonne pas en fait. Skidja ils savent que moi j'ai froid, ils mettent de la neige dans les yeux. Et ouais. Aussi, des trucs et après, je suis fatiguée là. Moi j'ai besoin de sommeil dans ma vie. Je peux pas me faire mal. Moi ça va. Même pas tranquille. Non, on se repose un peu, on mange un peu vite fait. Et ensuite, on ira se poser sûrement dans un restaurant, manger, parce qu'on n'a rien mangé encore. Il est 16h, on va toujours pas manger. Ah, mais comment j'ai mal. Et sinon, bah, on va dormir. Non. On va faire de la luge. Ils vont faire de la luge. Et peut-être qu'on va faire du ski avec Eva demain. Ouais, demain. Dans les pistes noires. Non, regarde, calme-toi. Les pistes vertes. Rouge, moi je peux en. Rouge, ça va, mais le noir, c'est chaud. Donc peut-être qu'avec Eva, on va faire du ski demain. Ouais. Bon les gars, nous sommes au deuxième jour. Désolé, je suis grave. Donc c'est le dernier jour, donc aujourd'hui on va faire de la luge. Enfin ils vont faire de la luge parce que moi pour l'instant j'ai la flemme. Je voulais faire du ski avec Negin mais sauf que c'était trop tard et tout, du coup on n'a pas pu. Du coup bon, on va faire que de la luge. Et après ce soir on va aller manger, on va aller faire les valises parce qu'après on part. Je vais aller faire de la luge, je vais traîner. J'aime pas. J'adore ces vacances. Je déteste la neige, vraiment. Je déteste ça. Pourquoi les gens c'est trop bien? Pourquoi les gens c'est trop bien? Là, on est au même resto qu'hier, on est revenu parce que leur service était incroyable, franchement ils étaient trop gentils avec nous et du coup on est revenu parce qu'en plus c'était super bon. Donc voilà, cette fois on mange thaï. Ouais, là on mange thaï, trop bon. Moi je prends des nouilles avec... Les nouilles elles sont excellentes. Là il y a pris une pizza avec des nouilles, avec des nems. Là, moi, j'ai pris du riz avec des... En fait, on a pris plein de trucs et on va tout partager. Avec du bœuf aux oignons, voilà. J'adore les oignons, c'est ma passion. Moi, j'ai pris des nouilles sautées aux légumes avec... Elles sont excellentes, les nouilles. Du poulet croustillant, du poulet croustillant du chef. Je vais vous raconter ce qui vient de m'arriver. Franchement, c'était trop la honte de faire. Mon dieu, j'ai honte de vous raconter, mais bon, vas-y, on a entre nous. En gros, on a commandé des crêpes. On a commandé des desserts. Et en fait, il y a deux serveuses. Il y avait une serveuse qui est arrivée avec les desserts. Mais il y en avait beaucoup. Mais il y avait genre, c'était trop beau, tu vois. Et du coup, moi, j'ai cru que c'était vers nous, tu vois. Parce qu'en fait, nous, on est là, il y a que nous au resto et ceux de derrière. Moi je savais pas que eux ils étaient au dessert aussi. Je savais pas en fait.
Parce qu'ils sont arrivés après nous, en fait. Vous ne savez pas. J'avoue, ils sont arrivés quand on avait fini de manger. Et là, la serveuse arrive avec les desserts. Et moi, je crie. Waouh! Je crie comme ça. Mais vraiment, je crie, genre. Tu vois, je crie. Waouh! Oh my god! En mode, ah, et en fait, il y a la serveuse, elle voulait déjà les donner à elle. Donc elle était gênée, elle m'a regardée en mode, Et il y a l'autre serveuse. Il y a l'autre serveuse qui a dit, non! Au fond! C'est au fond, c'est pas eux, c'est au fond! Non mais ça a duré une seconde, ça a pas duré 2 heures. Ouais, après. Et en fait j'ai l'impression que ça a duré 2 heures. Non, dans mais peut-être. Parce qu'ils ont direct pris les desserts. Ouais, et en fait, eux, ils. Bah, en fait, les desserts sont partis. Et moi, je pleurais de rire, j'étais en fou rire, je me suis mise sous la table comme ça, et je faisais que de rigoler, mais j'en avais tellement honte. Et après, il y a la serveuse qui est revenue avec des desserts, et là je savais pas s'il fallait que je dise waouh ou pas, tu vois, du coup j'étais là. Et en fait c'était à nous, il fallait me dire à ce moment-là le waouh. En plus ton truc c'est pas un truc de ouf. Vas-y, en plus mon truc il est moche, les seins ils sont mieux. Pour moi, il est tellement beau. Bon, moi j'ai bien mangé, mais j'ai pas mangé de dessert parce que vous dites tout le temps, ouais, moi t'as rien, t'as un grand fruit mince, tout le monde aime. Non, ok, ok, moi je suis plus comme ça. J'ai arrêté de manger des trucs, c'est fini. Ça me dégoûte. On va faire du ski. Voilà. C'est... Alors, on a voulu faire du ski, mais c'était trop tard, on était dégoûtés. Donc là, Diana elle va faire de la luge et après on s'en va. Excellent, bravo. Tu as ton permis luge. Bravo. Des permis. Non, il n'y a pas des permis. C'est parti. Ah si. Retour à la maison, retour à la case départ, on passe par Lyon. On est dans un train, on fait 2 heures pour aller à Lyon. Et de Lyon, on va là-bas à Paris. Et de Lyon, on fait 2 heures pour aller à Paris. Ah, 2 heures. Ouais. 4 heures de route. Oh là là. Donc voilà, les vacances sont terminées. Est-ce que Diana t'a kiffé quand même? T'as aimé? Elle vient de faire un grand oui avec la tête, avec un sourire, mais elle veut pas ça. Oui, t'as kiffé? Ah bah, parfait. Je suis contente. En fait, t'as kiffé quoi? Même si Eva déteste la neige. Non, franchement, même moi, j'aime pas la neige, mais franchement, j'ai kiffé. T'es mytho parce que toi, tu peux toucher encore la neige. Ouais, mais je peux pas toucher la neige. Ouais, mais moi j'aime pas la neige. J'adore sur le moment, tu vois, je joue avec la neige, mais après t'es trop mouillée, t'as me dégoûte, moi je peux pas. Non, mais attends, là ça faisait trop bien parce que c'est super beau. Voilà, c'est ça, il y avait grave du soleil, il faisait chaud, enfin il faisait chaud en mode. Il faisait pas froid de. En vrai, il faisait chaud pour rester en pull. Ouais. Et Oh, tunnel. Je déteste le tunnel. D'accord. Bref, on vous fait des bisous et on vous reprend quand on arrive à Lyon. On est fatigué, hein. On est arrivé à Lyon là, on a notre train dans 20 minutes, donc voilà, ouais, on va aller au Sous. Ouais, on a du monde de ouf, c'est incroyable. Lyon c'est vraiment top. J'ai Pépito dans les mains depuis tout à l'heure, je fais des mains. J'ai une dégaine, mon pote, mais franchement, heureusement que je vois pas beaucoup de gens. Enfin, je vois pas beaucoup de gens, il y avait tellement de gens.